Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وحده. لا شريك له. لا شريك له. له الملك. له الملك. وله الحمد. وله الحمد. وهو على. وهو على. كل. شيء قدير. قدير. Donc aujourd'hui, les enfants, on va passer à une leçon très très importante. Et on va expliquer Allahu Ahad. Répétez Allahu Ahad. Qul huwa Allahu Ahad. Allah Azza wa Jalla, il est unique. Non. Donc on va voir aujourd'hui qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est unique. C'est-à-dire que comme vous le savez, il y en a qui adorent autre qu'Allah. Il y en a qui adorent autre qu'Allah. Très bien, il y en a qui adorent les statues. Il y en a d'autres qui adorent les animaux. D'autres ils adorent le sceau. D'autres ils adorent les étoiles. L'autre, ils adorent des pierres, des rochers, des arbres, etc. etc. Certains, ils adorent les anges, d'autres, ils adorent les prophètes, etc. Mais, parmi tous ces dieux, ces faux dieux, le seul qui mérite d'être adoré, c'est qui? Allah. C'est qui? Allah. C'est qui? Allah. C'est qui? Allah. D'accord les enfants, donc c'est pour ça qu'ici dans le livre il est marqué « Il est le seul Dieu ». Mais ici ça peut porter à confusion. Il est le seul Dieu qui mérite d'être adoré en vérité. C'est ça la réelle phrase à dire. D'accord, c'est-à-dire que pourquoi c'est Allah qu'on doit adorer et pourquoi on ne doit pas adorer, un exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou pourquoi on ne doit pas adorer le prophète Isa qu'ils appellent Jésus. Pourquoi c'est Allah qu'on doit adorer et c'est pas un prophète ou c'est pas un ange ou c'est pas quelqu'un de gentil ou c'est pas un arbre ou c'est pas une statue? Pourquoi? Oui? Très très bien, Mashallah, Rahma. Parce que c'est pas lui. Rahma a dit parce que c'est pas lui qui nous a créés. Yani parce que c'est pas eux qui nous ont créés et c'est pas eux qui nous donnent ce qu'on a besoin. Très bien, on va en revenir tout à l'heure. Oui, Hassan, tu voulais dire quoi? La même chose, c'est beau. C'est beau, c'est une très bonne réponse. Oui. Moi, j'ai un exemple. Vas-y. Bah, par exemple, nous, si on adore les prophètes ou les arbres, la nourriture et tout, mon père il m'a dit rien que ça, ils ne peuvent pas créer une aile de mouche. C'est beau. Alors, lorsque ton père il t'a dit, quand tu vas rentrer à ta maison, tu vas faire un gros bisou à ton papa et tu lui dis merci parce qu'il t'a appris une chose très importante. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu rentres à ta maison? Je vais faire un bon bisou à mon père et je vais lui dire merci parce qu'il m'a appris des choses très importantes. C'est très très beau. Et vous aussi, quand vous rentrez, vous faites un gros câlin à votre maman ou à votre papa ou à votre tata ou à votre tonton, à ceux qui s'occupent de vous à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont permis de venir ici à la mosquée pour apprendre qu'Allah il est unique. Qu'Allah il est unique. Qu'Allah il est unique. Qu'Allah il est unique. Sophia, je ne t'ai pas entendu. Allah, il est unique. Ouais, c'est bien, mashallah. Naam, pourquoi on adore Allah Azza wa Jal et on n'adore pas les prophètes? Ben comme elle a dit Rahma. Parce que, qui nous a créés? Allah. Est-ce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa qui nous a créés? Non. Donc est-ce qu'on va l'adorer? Non. Est-ce que c'est le prophète Isa qu'ils appellent Jésus qui nous a créés? Non. Donc est-ce qu'on doit l'adorer? Non. Est-ce que c'est une statue qui nous a créés? Non. Donc est-ce qu'on doit l'adorer? Non. Est-ce que lorsqu'on a besoin de quelque chose, on le demande aux statues ou on le demande à Allah? Non. On le demande à Allah. Quand je suis malade, qu'est-ce qui me guérit? Allah. Quand je suis triste, qu'est-ce qui me rend joyeux? Allah. Quand j'ai besoin, qui me donne de l'aide? Allah.
quand je suis dans la pauvreté, qu'est-ce qui me donne la richesse? Allah. C'est Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela qu'on l'adore. Également, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Retenez, personne n'a déjà vu Allah. Même pas l'ange Jibril, même pas les anges, même pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même pas tous les prophètes. Personne n'a déjà vu Allah. Laïsa kamithlihi shay. Répétez, laïsa. Laïsa. Kamithlihi. Kamithlihi. Shay. Shay. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, il n'y a rien qui lui ressemble. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme ses créatures. Allah, c'est ni un, c'est pas un garçon, c'est pas une fille, c'est pas c'est pas comme nous, ce n'est pas un être humain. Il ne ressemble à personne. Et personne ne ressemble à Allah. Et on ne peut même pas l'imaginer. Pourquoi? Parce que si tu commences à réfléchir comment il est, ben toi, comme tu l'as jamais vu, tu ne peux pas savoir comment il est. Et on ne doit même pas réfléchir à savoir comment il est, parce qu'il est celui le plus grand, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus puissant, c'est lui le plus fort. C'est Allah Azza wa Jal. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Retenez, il n'y a rien qui ressemble à Allah. Donc quand on dit qu'Allah il est grand, quand on dit qu'Allah il est beau, c'est pas comme nous. Quand on dit qu'Allah il parle, est-ce qu'il parle comme nous on parle? Non. Quand on dit qu'Allah il entend, est-ce qu'il entend comme nous on entend? Non. Non. T'as compris? C'est Allah Azza wa Jal, il ne ressemble pas à ses créatures. D'accord les enfants? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal il a une femme? Non. Est-ce qu'il a un frère? Non. Une sœur? Non. Des enfants? Des garçons? Non. Des filles? Non. Un papa? Non. Une maman? Non. Allah, il est ahad, Allah, il est seul. Il n'y a rien qui est comme Allah. Il n'y a rien qui est comme Allah. Comme Allah Azza wa Jal. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Tout ce qui est en dehors de lui, ce sont ses créatures. Allah Azza, donc un exemple, qui a créé l'univers? Qui a créé les hommes? Allah. Qui a créé les femmes? Allah. Qui a créé les enfants? Allah. Qui a créé les animaux? Allah. Qui a créé les plantes? Allah. Qui a créé le ciel? Allah. Qui a créé les sept cieux? Il y a sept ciels. Qui a créé les sept cieux? Allah. Qui a créé les sept terres? Allah. Qui a créé le soleil? Allah. La lune? Allah. Les étoiles? Allah. Etc. Et c'est pour cela que comme il a tout créé, comme il entend tout, il sait tout, il voit tout, il fait tout, il contrôle tout, il gère tout, il dispose de tout. C'est lui le seul Dieu qui mérite d'être adoré. Et il sait tout. C'est lui notre Dieu, notre Créateur et notre Seigneur. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Créateur. C'est lui notre Dieu. Et c'est lui notre Seigneur. D'accord? Également, il est très important d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala et de l'adorer. Et on avait cité, on avait expliqué comment on fait pour aimer Allah. En lui obéissant. On doit obéir à Allah. Et quand Allah azza wa jal, il nous interdit de faire quelque chose, est-ce qu'on a le droit de lui désobéir? Non. D'accord les enfants? Et également, Allah azza wa jal, il voit tout, il surveille tout, il sait tout. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque toi tu parles, Allah il t'entend. Regardez, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Pensez à une couleur. Ouvrez vos yeux. Est-ce que moi je peux savoir à quelle couleur vous avez pensé? Non. Non, c'est impossible, comment vous voulez que je le sache? Peut-être t'as même pensé à une carotte et t'as pas pensé à une couleur. J'en sais rien moi. Moi je sais pas. Je sais pas ce que tu as pensé. Mais Allah Azza wa Jal, avant que je te pose la question, il savait ce que tu allais penser. Il connaît tout. Il connaît ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Il connaît même les choses qui ne sont pas passées. Mais si elles auraient dû se passer, il aurait su comment elles se seraient produites. D'accord? Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, il entend tout. Même quand tu parles dans ta tête, quand tu parles en toi, Allah, azza wa jal, il entend tout. Et il sait tout. Pourquoi? Parce que comme il a créé l'univers, eh bien, c'est lui qui s'occupe de tout, il gère tout et il contrôle tout.
D'accord les enfants, gardez vos questions pour tout à l'heure. Là ça va être la prière. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc on répète لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على صلي كل شيء قدير.